Et yo les abonnés, c'est Triple Loup, aujourd'hui on se retrouve. Oui, oui. D'accord. Et yo les abonnés, c'est Triple Loup, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Infamous Coton. Alors là, on était en train de aller trouver les relais de noyaux. Alors là, on va aller les chercher. Let's go. Et abonnez-vous à la chaîne de Triple Fou aussi. Oui, mais en fait, le fou il s'écrit avec AT. Il s'appelle Triple Foot. Ouais. Alors. Et à mon TikTok, Nino tiré du bas, culte. On s'en fout ça. Tu as du bas à voir, voilà. Complètement ravagé la ville. Et tous les habitants courbent les chines. Et à mon Insta aussi, s'il vous plaît. On s'en fout. Ok, ok, ok. Insta en description. Il n'y a rien en description ferme là. Arrête, vas-y, je te mute direct. C'est bon, j'arrête. Non, toujours, voilà, hop. Tu veux me rendre service et leur expliquer ça? Bon, les gars, vous abonnez surtout pas à sa chaîne parce que lui il fait des trucs bizarres. Et des caméras à peu près dans tous les coins. Ça, c'est l'avantage indéniable de jouer à domicile. Sauf que c'est même pas leur domicile. À quelle heure dire ça? Let's go! On a une grosse patate dans ta tête, toi, c'est bon? Pouah! Oh! Allez, allez, drain des pouvoirs, drain. Ya! Bon, Kylian, je vais te démute. Si tu refais encore une seule fois de la merde, c'est bon. Voilà, c'est bon, j'ai démute. Merci. J'ai démute. Et enlève tes TikTok aussi. Et... Mais Shani, j'ai mis un monde super flan. Oui, ben voilà. Ça marche, putain! Les gars, je suis bouche bée, voilà. C'est quoi ces pouvoirs de malade? C'est les meilleurs pouvoirs du jeu, ça se passe comment? Aïe, 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 aïe. Ça fait... Bande de pas gentils. Qu'est-ce que... Ciao. Et rate pas, Dalsine. Merci. Ciao. Yeah. I really like your body. C'était trop bon. Je suis pas à la mort. Ça les gars, c'est la tapette du DUP. Oh. Et broup. Ça dégage. La carte. Bon les gars, je vous fais une coupure parce que c'est trop long là. Allez, à toutes. Et re les abonnés, je suis arrivé au deuxième point. Monte. Voilà. Je crois que le DUP fait pareil dans toutes les villes où ils sont appelés. Ouais, en tout cas c'est ce qu'ils disent. Pourquoi les gens laisseraient faire ça? Parce que tant qu'ils sont pas au pied du mur, la plupart des gens donnent pas leur vie. Putain, j'ai raté ma fusée, vas-y. Allez, viens de fight. Là, je lance un live, et je lance un live de 4 pas de la D. Oh bah, est-ce que moi je fais de la D? Non. Merci. What's up?
Salut à tous, c'est Triple Fou, j'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas, ça va nickel. Vous allez m'aider aujourd'hui à construire une maison. Vous pourrez jouer avec moi si vous voulez. Bah, pas vraiment une maison, mais un village. Je sais pas si vous voyez. Bon les gars, à toutes, on se rejoint sur le prochain point. Et heureux les abos, en fait là je suis arrivé, mais il faut que je monte. Alors on va pas utiliser le pouvoir, vous inquiétez pas. La place de la femme, ça va causer. Tais-toi. Ok. Maintenant, on va prendre ça. I will like your body. Voilà, normalement là je suis tôt. Ouais, bien fait. Tiens. Boah. Allez. Ah, mon truc. Oh, c'est... Oh yeah, baby. Je sens que ça va être génial. Faites gaffe en dessous. You die. Ah bah alors, je le refais une petite fois. J'ai usé tous les relais. Ta bouche. Mais ta bouche! Vas-y, oh, il casse la tête, frère. Ah, c'est bon, j'arrête. Je peux pas faire de vidéo avec lui, là. J'arrête. C'est bon, tu casses la tête, là. Non. Oh, mais c'est quoi, là, frère, fais, là? Frère, regarde ce que tu fais! Bah, je sais quoi, je suis en train de... C'est pour ça que je fais les vidéos, c'est pour ça que je préfère faire les vidéos tout seul, c'est pour ça que je quitte la VOC. Tu quittes la VOC? C'est pour ça que je quitte la voix quand je veux faire des vidéos à fameux sous Godson, parce que quand il y a toi dans la voix, tu fais de la merde. Moi je fais de la merde. Bah regarde. Bah c'est humain de faire de la merde, hein. Oh, regarde, je vais aux toilettes tous les jours, c'est humain de faire de la merde. Oh bah je suis trop drôle, vas-y. Putain. Je crois trop drôle. C'est pas drôle. Mais j'en promis, ok. Donc tu te calmes mon ami, hein. Moi non, je vais être gentil avec toi, mais toi, si t'es pas chute. Sympa, bah coco. Chute coco. Chute. Mais pourquoi t'es comme ça, frère, aujourd'hui? Comme par hasard, quand je lance des vidéos, t'es comme ça tout le temps. Chérie, tu veux faire tu veux en quoi ton son? Appelle-moi Triple Loup, s'il te plaît. Oh. Triple Fou, Triple Loup, tout seul, tu le veux en quoi? En quartz? De quoi? Et bon, tu fais ma maison, moi je m'en fous. Parce que moi je pense à mes potes, moi. Moi je pense à mes potes, moi. Je préfère la faire, frère, fais ta maison. Je vais aller au-dessus de la Space Needle, les gars. En fait, on va faire un RP quoi. Je sais pas, mais d'abord, laisse-moi faire. Je vais les hagar. Mais elle est là, la space needle. Et j'ai pas tout en sol. Ok, Reg, je suis devant et t'avais raison. La needle est recouverte de tout un tas de merde électrique. Et le revêtement en alu, c'est carrément n'importe quoi. Tu vas devoir grimper au sommet de la needle. Le temps est splendide. Chérie, ta maison, c'est Triple Loup. Ta maison, c'est du 24 sur 24. Hein. Mais t'inquiète, je vais faire ma maison en laisse. Non, trop tard, je l'ai fait. J'ai commencé, je la finis. Ah les gars, j'ai raté. Attendez, on recommence. 3, 2, 1. Fort! Little fucking no! Boum, 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 boum. Et qu'est-ce qui pourrait bien expliquer le fait que je puisse drainer le pouvoir de certains porteurs? Purée, genre, pourquoi c'est pas cool? Il y a. Par exemple. Et pas des autres? Comme, voyons. On m'aurait bien aidé, lui. Allez, disons un de ces chers soldats du DUP. Ratatata. Il est là, ratatata. Commence pas avec. Je t'avais prévenu. Je voudrais seulement. Une réponse. Et
C'est pour ça que mon frère me déteste. Pourquoi? Non, mais sur le jeu. Parce que Red, Dieu. Oh, oh la chance. Les avait bloqués au sol. Go. Ben, je pense, hypothétiquement, théoriquement, que tu peux drainer les pouvoirs d'un porteur. Eh, j'ai ni, tu vois, Adriano. Tu veux un dossier sur lui. Zéro, sur qui? Sur Adriano. Là, je m'en fous. Je connais plein de dossiers sur lui. Ouais, mais moi j'en ai un. Tu vois, hier, DG, il a pleuré parce qu'il lui a pas mis le temps. Ouais, mais ça, je sais. Ça, je sais. Ouais, et ben tu sais qu'est-ce qu'il a fait la dernière fois? Sa mère lui avait pas mis 15 euros, il avait commencé à pleurer. Parce qu'elle lui a pas mis 15 euros sur Farid. Et là, commence à insulter tout le monde. Les gars, je monte par là ou je... Ouais, vas-y. Les gars, je vous fais confiance. Il y a des gens sur ton live, Shani. Je suis pas en live, je suis en vidéo. Ah. J'ai hâte de défoncer ces trucs. Installer NordVPN pour un max de Nord. Oh, salut Betty. Je suis à la Space Needle. Oh, alors je te rappellerai plus tard. Ramène un souvenir. Ok, c'est la boutique est ouverte. Ouais, bisous Betty. Au revoir mon grand. Au revoir. Et hop là! Je suis sur le pont d'observation. Reste prudent surtout. J'ai fini le sol de sa maison. Attends, je regarde dans l'air pour voir si ça fait beau. Ouais. Tiens! Oh, ratatata. Chani, tu le veux comment pour toi? Attends ta bouche! Mais voilà, je suis mort! Chani, tu le veux comment pour toi? Ah, bah, je en escalier ou. Reste prudent surtout. C'est quoi? Là, j'ai juste fait le truc de ta maison, je te laisserai faire le reste, ok? Il y a un bébé mouton en train de ken avec un grand mouton. Vas-y Kylian, t'es bizarre hein, je te jure. La tête de ma mère, c'est vrai. Je peux même tirer des missiles avec mes mains. Bon, okay. Non mais j'en ai marre, bordel. Continue, t'es presque arrivé en haut. Tac. Au pire, c'est quoi la maison? Ratatata. Ratatata. Nier ratata. C'est sans doute ça qui fait tenir le tout. Ratatata. Chut. Tiens, je t'avais encore jamais vu, toi. Red, c'est carrément une armée qu'ils ont ici. Bien. C'est au bon endroit. Ou alors, ils aiment vraiment pas que les autres s'amusent avec leur. Allez, c'est pas le moment, Lady. Est-ce que tu vois un moyen de couper les communications? Ouais, il y a une sorte d'encre. On dirait que ça maintient toutes les antennes en place. Ah, les crococos, les crocodiles, sur le bord de l'île, ils sont partis, non pas en plus. Allô, Chani? Ouais. Appelle-moi Triple U, s'il te plaît, parce que tu casses la tête. Allô, Triple U. Donc,
Au pire, tu sais quoi? Moi, je vais aller faire. Je vais arrêter mon live. Je vais aller faire des clips sur Fortnite. Je crois pas que ça pourra le couper. J'ai jamais eu de problème en me servant de nouveaux pouvoirs. J'ai que des lives sur ma chaîne. J'ai zéro vidéo. Zéro vidéo. Arrête! Oh merde. C'est bon. Désolé Kylian, désolé, mais je te mute frère, tu casses la tête. J'ai juré. Je te démute une dernière fois dans toute la vidéo, je te jure, tu fais un truc bizarre. Je te mute pour toujours, jusqu'à la fin de la vidéo, c'est bon? Même jusqu'à la fin de ta vie. Non, jusqu'à la fin de la vidéo. Ok. Tu trouves pas ça mieux? Jeter la rencontre. Hey, boy. Fils. Rien de Center District, je vous ai perdu. Vous me recevez? Je n'ai pas de signal, chef, et vous? Rien au-delà des abords immédiats. Ouais. T'excites pas, un petit bout. Pas plus que ce quartier, en fait. Le DUP contrôle toujours les 98% restants. Mais on les a tirés de la Space Needle, mon gars. T'as neutralisé leur zone de com, c'est tout. Ils sont peut-être sourds, mais ils sont pas débiles. Ça va prendre un bout de temps de virer tout le DUP de Seattle. Voilà. Ah. Ok, Kylian, pour toujours, je te mute, c'est bon. Voilà. Pour toujours. Ouais, tu sais ce qu'on dit. Les gars, bon, dès que je fais une vidéo avec lui, bah, vous allez plus l'entendre parce que je le mute à chaque fois. Voilà. Qui dit ça? Des gens. Les Chinois. Hey Reg, tu vois quelque chose d'en bas? Tu déconnes. Je parie qu'on te voit depuis Portland. Je veux que le DUP sache que je suis là. C'est qui celui-là? C'est pas un des trois fugitifs? Vas-y, je vous jure, il fait chier à cause de lui, je peux même plus faire une bonne vidéo. La vidéo, je vais encore faire plus de montage, vas-y, casse la tête. L'homme au drapeau s'est fait la malle avant que les renforts du DUP. Nelson, j'ai posé 2-3 questions sur les bioterroristes en cavale. Hey Reg, vas-y, dans tout cas, je vais essayer de le ban de YouTube. C'est quoi? Complètement menti. Bah, les mais non, je rigole. Sinon, en vrai... Franchement, je trouve ça complètement foireux. Kylian, je pense que je vais te ban de... Je vais te faire quitter la team Lou, parce que regarde ce que tu fais. Bah, je veux dire, pourquoi pas fantastique fumée, ou juste le fumeur, simplement. Écoute, de mon côté, je vais continuer à me rencarder sur les bioterroristes en cavale. Ouais, bah frère, au moins, tu casses la tête à faire tes bruits bizarres. Moi, tu veux que je fasse ça dans tes lives, comme ça, tu vas démonétiser. Ouais, c'est bien. Je te jure, je vais te démonétiser à cause de toi. C'est ça, tu rends pas compte, tu crois que c'est drôle pour toi, mais pour moi c'est pas drôle. Parce que moi je peux me faire démonétiser. Putain. C'est vrai qu'il a pas compris, il croit que c'est drôle. Mais c'est pas drôle pour moi. J'ai tout la caméra, elle m'a repéré. Là, c'est abusé. J'ai peut-être une piste sur un des bioterroristes qui s'est échappé de l'accident de bus. Envoie la sauce. Je suis encore à la gare. C'est pas idéal pour parler. Je te retrouve à l'angle de la 4ème et de Vickers. Cette situation est inacceptable. Bon travail. Eh, si vous mourrez, c'est pas ma faute. Je vous ai libéré, mais vous mourrez. Alors, mourrez pas. Ah bah en fait je suis bête d'arriver alors. Ça sert à rien de faire une coupure parce que de base je pensais à faire une coupure mais non en fait.
Je vais faire quoi? Donc. Frère, la vie, j'ai perdu en 2 secondes. Et tiens! Allez, gars, je suis une grosse merde. Voilà, hop, cassé. Et bim. S'il vous plaît, merci. Yes. Hey, you die. You pay for this. Hey hey, boom, check. Vous êtes devenu un guerrier, vous faites un pas de plus vers la voie de... Merde, ma manette. De héros.
Tiens. Ok, boum, check. La gang chou. Au commando, mon éminu. Je baille ses mères, R. Moi je me tire d'ici et mais je vais faire. Ma mission, si, s'il vous plaît, R. USTV. C'est quoi cette tête? Yeah. La mode drapeau, c'est pourri, hein. Oui, j'ai entendu. Et on pourrait éviter d'utiliser le mot en B. Quoi ? Bioterror ? Ah, tu sais bien que c'est juste une insulte inventée par le DUP pour que les gens aient peur des porteurs. Écoute, tu l'appelles comme tu veux, mais on va le retrouver. Et il va nous dire gentiment tout ce qu'il sait sur Augustine. Et on drainera ses pouvoirs. Ouais, ça va. Et on drainera ses pouvoirs. Et je drainerai. Toi, tu draineras pas, t'es nul, toi. Encore à l'angle de la 5e et Briard. Pas te renseigner, mais promets de ne pas te faire remarquer. C'est loin, ouais les gars, je vous fais une coupure quand je suis arrivé. Donc re les abonnés, je suis arrivé. Ok, je règle la machine sur immobilisé. Bon, j'ai fait comme t'as dit. J'ai pas touché à tes potes en bleu. Merci. Je vois pas l'utilité d'avoir des pouvoirs de fumée, c'est donc j'ai trouvé la victime. C'est bien l'œuvre d'un porteur. Ça se la pète. Bon, il faut que tu prennes des photos de la scène de crime et que tu me les envoies. Tout ce qui pourrait nous servir. Voilà tes blessures. Je me demande quel pouvoir a fait ça. Boule de feu, laser. Oh, le regard qui crame la peau. Voilà, j'adorerais absorber le pouvoir du regard qui crame la peau. Delcine, même si le gars qui a fait ça est bien un porteur zéro, on sait pas encore si cette histoire de transfert de pouvoir va marcher. Si ça marche, ma toute première victime sera celui qui a eu l'idée de m'appeler l'homme au drapeau. Delcine, arrête de prendre la tête avec ça. Mais frère, c'est éclaté, l'homme au drapeau. Ok, je t'envoie la photo, mais je crois qu'il a fermé les yeux. Reg, j'entends les sirènes, là. Ouais, je vais vérifier. Bon, le DUP vient de boucler le périmètre. J'ai dit à la police de Seattle de pas s'en mêler. C'est forcément le porteur. Je vais aller voir. Oh. Donc les gars, je vous refais une coupure parce que c'est long. Allez, à toutes. Payer frappe pas au hasard. Si t'es pas un dealer, t'es pas en danger. On va plutôt faire baisser le... Non, les gars. T'es en train de dire quoi? Les abonnés, vous allez m'insulter. À cause de moi, vous allez pas voir tout ce que j'ai fait et tout. Bah au moins, c'est parce que c'était Peggy 18 le bail. Alors, ça, c'était bien plutôt.
Ouais, mais la course poursuite et tout, en tout cas, ça sert à rien. Oh, ben non, en fait, clairement, ça sert à rien que vous m'avez vu parce que j'ai fait des extraits pour rien. Bon, allez, go. C'est où, frère? Ouais, c'est juste devant, vas-y. Quoi, t'es juste à suivre la route, tranquille. Quoi, je fais quoi, moi? J'arrive à la ruelle, et il y a un sacré paquet de gorilles armés. On dirait une rencontre entre dealers. Déteste te la jouer bon flic, mais le devoir de tout citoyen est de s'interposer quand il est témoin d'un acte criminel. Ah, tu vois bien que tu veux que je tue des gens avec mes pouvoirs, finalement. J'ai jamais dit tuer. Tu les fais danser, tu leur fais un peu peur, et tu détruis leur stock. J'ai zéro fumé! Allez, va sur les toits. Oh yeah! Max de fumée pull Danson! Super point! Adieu! Ya! Yeah. Ya! Yeah. Ya! Yeah. What up? Delphine, j'ai entendu des tirs. C'est toi qui les as tués? Non, non. J'ai fait mon devoir d'honnête citoyen. Et leur laisser le temps de réfléchir aux conséquences de leurs actes. Ça leur fera du bien. Est-ce que tu as détruit la drogue? Oui, j'ai détruit la drogue. C'est bon, je peux aller dans la ruelle? Reg, tu devrais trop voir ça. Speedy Gonzalette est une graffeuse et elle fait des trucs pas dégueux. Ouais, bon, n'oublie pas qu'elle tue des gens, ok? Elle leur fait des trucs bien dégueulasses. Speedy Gonzalette fait un méchant vortex. Faut jamais laisser des bougies allumées sans surveillance. Elle a installé un joli petit hôtel. J'en viendrais même à dire que c'est touchant. Bah, touchant. Des fois, tu touches les clôtures électriques. Et c'est le grand moment du clou du spectacle. Ok, donc la meuf... Mais c'est peut-être son mec. Pas. Elle s'installe en face de Brent Benet et elle lui raconte sa petite journée. Le temps pour la dinette. Tu sais, Olaf a une boutique sur la rue Alaska. Il paraît qu'il a la plus grosse enseigne en néon de toute la ville. Eh, hey, si j'avais des pouvoirs de néon et une maman gâteau, c'est là que je crècherais. C'est parti. Oh putain. Un bout de tchalala. Où allez... Tu, moi j'aurais fait. Je me tire. Bah oui, c'est nous qui a escaladé la Space Needle. Let's go. Non, ça va. Vaudrait mieux aller sur le toit. Bon.
Fetch comme les... C'est qui Fletch? Fletch. Hey, monsieur, signez la pétition pour lutter contre la drogue. Si on n'arrête pas ce poison, nos jeunes finiront comme Fetch Walker. Fetch Walker? Les drogues ont contaminé ce corps. Elles l'ont changé en bioterroriste. Nous voulons débarrasser. Oh! Fuyez, il va tous nous tuer. C'est pourtant ça la démocratie, Jim. Ouais, Jim. Je savais pas que t'étais au bout du fil. C'est moi qui t'ai appelé? Les gens ont le droit de dire ce qu'ils pensent sans se faire attaquer. C'était de la légitime défense, mec. Ils avaient des panneaux, là, et des tracts. Finalement, après réflexion, tu serais vachement plus discret en te collant directement en plein sous le néon du restaurant. On sait qu'elle en restera pas là, et toi, tu te fais stupidement remarquer en provoquant des bagarres sur le moindre trottoir. C'est mieux qu'on commence. Allez, file. C'est mieux qu'on commence. Dessine, arrête de faire le gamin. Mais c'est eux. Oh, ya ya. Moi, je frappe les gens, puis je les réanime. C'est bizarre. Ok, je dois trouver une planque. Ok, ça va le faire. La surveillance, mais en mode clodo. Allez, go! Ah là là. Waouh, ça sent bon. Pourquoi j'ai pas pu tout fric à ces dealers? Argent, pourquoi tu me hais? Sois mon ami, Argent. Viens par là, avec moi. Bon chat alors. Oui, ça marche. Ouais. Sa vie. Eh, Didier, eh, mort. Comme la dernière fois, Delphine, concentre-toi. Ah non, 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 tu vas pas y échapper, je suis prêt maintenant. Mais fous-moi la paix! Ah, elle va trop vite! Tu cours sur les murs? Alors là, c'est trop fort. Ils l'ont bien mérité. Qu'un à la fois? Mais c'est pas juste! Cours ta gueule! Pardon. Cours ta bouche! Ah, je vais la perdre! T'as commencé quoi, meuf? Peut-être je pourrais le faire avec toi. Oh merde, elle galope. C'est un cheval de course, frère. Laisse-moi tranquille. Hein? Allez mon gros, bouge ton boule. Allez, 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 cavale, cavale, cavale. Et je vais t'avoir. Non, non, non. S'il te plaît, non, non. Ah. Go. Bordel. Faut vraiment que tu te calmes, compris?
t'inquiète pas. Je retournerai pas là-bas. Laisse-moi tranquille. La bonne nouvelle, c'est qu'elle a manqué de jus. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai peur du noir. Peut-être que tu pourrais arrêter d'essayer de me tuer. Comme ça, on épargnera les enseignes de bière. Je suis pas avec Augustine! Combien de fois je... Attends, tu parles de vrai robot? Je veux juste un peu de tes pouvoirs, c'est tout. Laisse-moi la paix! C'était trop bon! Meuf, je vais juste que devenir pote. S'il te plaît. Aïe, 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 aïe. Let's go. Et les pouvoirs, je sais que vous êtes là. Surprenez-moi. Ouais, celui-là aussi, je vais m'en servir. Je peux courir, mais pas te planquer. Bordel, mais t'es où ? Tu parles de où, meuf? Moi, je suis pas quoi. Elle est vachement futée. Arrête! Oh, les gars, elle va jamais mourir. Je t'entends respirer. Allez, c'est bon. Ah bah oui, c'est comme ça qu'elle perd le plus de dégâts. Je sais où tu es, Fetch. Tu me saoules. Adim, j'ai pas envie de mourir. S'il vous plaît. Merci Dieu. Triple fou, tu peux inviter Nobody Kinomi, s'il te plaît. Elle est où ?
Arrête de crier! Arrête! Arrête de me tirer dessus! Voilà! Oh, chouchouchouchouchouch. Quand j'étais petite, je pensais pas que ça m'arriverait. Que je deviendrais l'un d'eux. Et puis mes pouvoirs sont apparus. Mes parents m'ont balancé. Ils savaient ce que le gouvernement faisait aux gens comme moi. Et ça les a pas arrêtés. J'étais complètement paumée. Mais mon frère, Brent, a pris nos manteaux. Et on a filé. C'était dur de vivre dans la rue, de bouger de ville en ville, sans le moindre confort. Puis on a rencontré des dealers, et on est tombé dedans. Le rogue. La dope. C'était le paradis. La dope. La dope. La dope. Mais on en voulait toujours plus. Le manque, c'était l'enfer. Il nous fallait un fixe à tout prix. Et quand tu perds ta cam, quand tu crois que quelqu'un te l'a volée, la cam, les dealers, ils te font faire de ces trucs. Oh, non, Brett, je suis. Oh putain! On m'a chopé en vitesse après ça. Mais c'était pas une prison normale. Ils m'ont appris à tirer, à tuer aussi. Alors le jour de l'accident, je me suis échappée en ayant appris plein de trucs. Tout ce qu'il me fallait pour régler ce bordel. Brent, je te jure, tous les dealers que je croise finiront avec ton nom gravé sur la poitrine. Plus personne souffrira comme on a souffert. Non, grand frère, plus personne. Triple fou, tu saurais inviter Nobody Knowy, s'il te plaît. Triple fou. Ah bah il me répond pas, ok. Oh là là, je suis très nul. Hein. Ça va, frangin ? Qu'est-ce qui s'est passé ? I am dead. Oh. Hey, t'as bien fait. Je connais l'endroit parfait pour la vermine dans son genre. Où elle sera à l'abri d'Augustine et où elle fera plus de mal à personne. Eh, non, 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 non. Et tu es juste des dealers, c'est tout. C'est tout ? Nelsine, elle assassine des dealers. Et tu crois que je fais quoi au type du DUP ? Ce qu'ils font pour sauver les nôtres, les Akomish ! Non, écoute, fous-lui la paix. Non, pas question. Écoute, c'est pas parce que vous avez le même problème, pas ton problème, que tu dois te sentir obligé de protéger toutes les pourritures qu'on croise. Et je t'abandonnerai jamais, t'entends? Jamais. Mais cette fille, il faut l'enfermer. Oh hey. Faites des lynchus sans merci et lâchez-la sur les activistes anti-porteurs. Apprenez-lui à se maîtriser en travaillant de concert pour démanteler les trafics de drogue. Toi, c'est à toi. Ok, bah... Comme je vais être gentil. Let's go! Elle sera sous ma responsabilité! Ouais. Sauf que t'as jamais été du genre responsable jusqu'à maintenant. Ah 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 ah, ah. C'est rigolo. Okay. Et... Je suis là pour la tribu. Pas pour coffrer des bioterroristes. Je suis une porteuse. Il est cool, enfin. D'habitude, c'est juste que. C'est pas ce jour. Ouais. Allons discuter.
Bon, les gars, ce sera la fin de cet épisode. Épisode 3. Désolé. Ah, les lasers! Le club des porteurs est enfin terminé. Je voulais juste lui parler, ok? Histoire de voir si il pouvait nous être utile. Cours, 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 cours. Oh, tu vas pas me faire le coup de la grimace de Reggie, hein? Tu sais que je déteste. Écoute, tu sais que les gens comme ça devraient pas être laissés en liberté. Est-ce que tu oublies qui d'autre est comme ça? Pas pareil, t'es différent. Oui, je sais, je suis ton frère. Et ton frère te demande de lui donner un coup de main. Quoi? J'ai plus le fumer? Eh, mais ça sert à quoi d'avoir des nouveaux pouvoirs si je dois rendre les précédents? Ok, qu'est-ce qu'il te faut? Merci. J'ai besoin de voir les autres facettes de ce nouveau pouvoir. Et moi, Guy, les bons tuyaux pour trouver les relais de noyau. Bon bah les gars, c'était la, ce sera la fin de TRP. Alors cette vidéo, ciao les petits loups, ciao, au revoir Reggie Darina.